We back again. Les chroniques des alcooliques, de retour avec un autre show. Je suis votre host, Hollywood The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardzilak, Mr. Talk The Talk, Walk The Walk. Je sais même pas ce que je vais mettre mon corps aujourd'hui. Tellement l'émission va être incroyable. Je sais que tout le monde, tous nos fans attendaient un épisode comme ça. Ils savaient que ça allait make it happen. Let's go! For the people. Et notre invité tonight, la belle et charmante Charlotte Saint. Comment vas-tu, Charlotte? Salut, ça va? Full bien, puis vous? J'ai de la pression, là. Déjà? T'es sur le hot seat, déjà? Vraiment. Sur le hot seat. Non, relax. Ah ouais, on est des gars cool, nous. Je vais être correct. Calme-toi. Je vais m'en remettre. On est des gars très, très, très cool. Donc, avant de commencer, comme d'habitude, je dis toujours un petit message à nos fans. Continuez à nous supporter. Vous voulez nous supporter, vous savez comment faire. Subscribe, IG, YouTube, TikTok, Facebook. We everywhere, man. N'oubliez pas, s'il vous plaît, supportez-nous. LCDA Podcast. Let's go. OK, bon, qu'est-ce qu'on aime faire avant qu'on commence dans le jus? On veut savoir, avant que tu viennes aux chroniques des alcooliques, comment a été ta semaine? Comment a été ma semaine? Quand même, j'ai été full occupée. Là. Ça a été compliqué de trouver une date. Puis là, j'ai eu un spot de libre dernière minute aujourd'hui. Mais ouais, j'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, j'étais dans la grosse popote. On doit se sentir spécial. T'as ouvert ton horaire pour nous. C'est quoi? Ça fait peut-être quoi, un mois qu'on parle ou trois semaines, quelque chose du genre? À peu près trois semaines, ouais. Ouais, à peu près. Puis là, j'essayais. Puis à un moment donné, là, après, j'avoue que je vous ai un peu oublié. Est-ce que ça a commencé vraiment pour une invitation au podcast? Est-ce que je slide dans le DM là? Hey, slide, non, mais belle, slide dans ton DM ou quoi? Ouais, peut-être un petit peu. Oh merde. Mais non. Ça commence! C'est chaud. Bon, garde-la que toi, ta semaine. Same thing, la routine, man. Yo, that's it, man. Yeah, yo, c'est vraiment la routine. Ouais, work. Puis on vient s'amuser aux chroniques, man. That's it. Mon ambiance. Exactement. Ça, c'est notre sanctuary qu'on appelle. Quand on a fini de faire la routine, on a besoin d'escape. Le studio, c'est là qu'on escape. C'est la façon de décrocher. Il faut. Parce que si tu restes avec ton mental de tout le temps work, tout le temps focus là-dedans, tu sais, des fois, tu as besoin d'un petit break, là. Ben, ouais. C'est bon, parce que moi, j'ai travaillé toute la semaine, fait que... Exactement. Let loose. Yo. Donc, sans plus tarder, garde-la. Tout de suite? Ben, yo. Kounia, Sanabré! Let's go, Sanabré, qui bon. Veut dire... On boit? Qu'est-ce qu'on boit, exactement. Aujourd'hui, à la demande de notre amie Charlotte, yep. Elle ne peut pas boire d'alcool, parce qu'elle ne veut pas être trop défoncée. Parce que demain, elle a des rendez-vous. Un tatouage. Oh, tatouage. Puis elle n'aime pas être trop défoncée la veille, c'est ça? Non, mais c'est qu'ils disent de ne pas boire la veille. Oh, ouais. OK. Ils disent beaucoup de choses. Mais lui, il n'écoute pas. Il se fait tatouer aussi demain, mais il va boire quand même. Yeah. Mais si vous avez du gin, je peux peut-être avoir un verre. Non. On va garder qu'est-ce que tu as dit. L'alcoolique en moi qui est comme, ah, ben là, peut-être que on est raisonnable. Ça ne peut pas que demain, tu m'envoies un message, tabarnak, esti. Là, je ne peux même pas me faire tatouer, calice. Non, mais c'est que tu peux, genre, de mon expérience, quand tu es fatigué, quand tu as bu la veille, quand tu ne manges pas assez, ça fait plus mal. Puis moi, je suis comme un fucking chochotte. Okay, quand je me fais tatouer, genre, hein? Non, j'ai mal, genre, comme, puis je supporte pas la douleur, je suis contraire de toi. C'est quoi, genre, t'as dit chochotte? Une chochotte. Ouais, chochotte. C'est des expressions. Non, jamais entendu ça. Moi non plus, mais on en a pas toujours. OK, good. Chochotte. Dans mon vocabulaire québécois, chochotte. Let's go. Nous, dans notre vocabulaire, on dit petit poussi, mais bon. Ouais, non, ça marche aussi. Bon, soldat, on va boire un No Roi. C'est un gin sans alcool qui est... il est fait où? Attends une minute. Saint-Hyacinthe. Oh, Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. So, c'est un voisin, ça?
Ça dit, OK, de le prendre avec de l'eau tonique ou un soda. Ça tombe bien. Ça tombe bien, on a le soda pour toi. C'est full une belle attention, je suis contente. OK, non, on est des gentlemen, quand on veut. Je me suis demandé en plus, j'étais comme, est-ce qu'il faut être sous pour participer à l'émission? J'étais comme, est-ce qu'il va falloir que je fasse assemblant? Est-ce que... T'inquiète, je voyais ça un peu comme les recettes pompettes. Tu sais, l'émission de Ricardo, je suis pas trop qui. Merci. J'ai laissé ça à côté de toi. Nice. Mais on peut le tourner comme ça aussi, là. Si tu veux ça, si tu veux l'émission pompette, ça peut être ça aussi, là. Si à un moment donné, vous me réinvitez, je vous promets que je vais me saouler la gueule avec vous. Oh! À moins que... On prend note. Je vais m'arranger pour venir comme une fois que je peux... On sort le calendrier. Garantie. Là, tu vas voir, je slide encore dans ton DM. Encore professionnellement. Bon. OK. So, cheers tout le monde. Cheers, on goûte à ça. OK. Wow. C'est quand même bon. Ça goûte le gin, mais... Y a-t-il du concombre là-dedans? On dirait que ça goûte de l'eau. C'est sûr que oui. Ouais, mais c'est comme un gin... Ouais. C'est comme s'il y avait déjà du tonic dedans. Ouais. Ça goûte le gin tonic, mais il n'y a pas de tonic. Okay. Mais ouais. C'est bon, ça va. C'est, pour le monde qui ne boit pas d'alcool... Ça ressemble. L'alcool que je vous conseille. Combien tu donnes sur 10? Vu que c'est sans alcool... Mettons, pour une boisson sans alcool, je donnerais un 7-8, mais... Dans la réalité, un 5, vu qu'il n'y a pas d'alcool. Il n'y a pas les effets positifs. Il fait beaucoup de sens. Mais c'est bon, ça goûte bon. Moi, je donne un 6.5. Ouais, moi, je donne un 6 parce qu'il manque d'alcool pour le reste. Mais sinon, ça aurait été bien correct. Mais non, c'est bon. OK, là, maintenant, c'est le temps que je me fais un vrai verre. Puis là, en même temps, ça rentre dans un de mes segments préférés. 50 Shades of Grey. C'est quoi ça? Ah, Charlotte! Donc, Charlotte, t'as une minute pour nous raconter une des fois que t'as été le plus saoul sur de l'alcool. Fucked up! Dans notre langage, on appelle ça des babas. Ouais. Attends, là, parce qu'il y en a tellement. Le truc le plus honteux. Celui le plus honteux, là, qu'on sait. Oh my god! Celui qu'on va dire, on va finir de l'entendre, puis on va dire God! Hey! Mais je suis sûre que je vais en raconter un, puis là, je vais rentrer chez moi, puis je vais faire « Oh non, j'aurais dû raconter ça, lui-là, parce que... » Je me rappelle de mes derniers hangovers, puis qui étaient horribles, mais c'est pas... Qu'est-ce que j'ai pu bien faire? Wow! J'aime beaucoup boire, puis pendant une bonne période de ma vie, j'étais quand même assez... Ouais. Outgoing. Je buvais beaucoup, mais là, maintenant, je suis rendue comme une petite grand-mère. Mais attends, il faut que je pense. Parlez. Vas-y, pense, ma grand-mère. Mais qu'est-ce que j'ai... Oh, j'ai déjà volé une chaise roulante, mais ça, j'étais pas saoule. Attends, mais t'as volé une chaise roulante? Attends, y avait-tu quelqu'un dessus? Non, non. Okay. Moi, j'étais dessus parce que je m'étais foulée ou comme... Attends, non, j'avais marché sur un clou. Damn. OK. Là, je raconterai pas toute l'histoire, là. C'est une longue histoire, mais... Bref, je me retrouve à l'hôpital avec une amie, puis on a volé la chaise roulante. Parce qu'on trouvait ça vraiment drôle. Aujourd'hui, j'y repense, puis je me dis, ouais, c'est peut-être pas trop cool pour les gens. C'était à l'hôpital, bref. Ils n'ont pas demandé notre carte d'assurance maladie, fait qu'on est parti avec la chaise roulante. OK. Mais là, on avait la chaise roulante, tu sais. Je suis dans mon appart. Puis j'avais fait un party, puis j'étais partie avec un de mes amis qui mesure, je pense, 6 pieds. Il est vraiment grand, là, 6 pieds 4. Il est comme un peu plus grand que vous, je pense. Là, okay. Il est grand. Okay. Puis moi, je suis pas si grande ni forte, mais je le poussais en chaise roulante. OK. C'était une belle aventure. Attends, c'est tout ça est arrivé la même soirée? Non, pas le vol de chaise roulante. Vol de chaise roulante, j'ai pas d'excuses. J'étais à jeun complètement. Oh! OK, mais attends, tu n'as pas donné d'explication quand tu étais saoul. Là, il faut que tu nous donnes une affaire. Ah, ben, je me suis saoulée, puis j'ai... Attends, excuse-moi. Moi, je suis TDAH, en fait qu'il y a des chemins qui se font. OK. Ben, j'ai volé la chaise roulante à jeun. Ouais. J'ai vécu ma vie. Là, je me suis saoulée avec un de mes amis. Puis, on est partis ensemble à une expédition avec la chaise roulante. OK. Okay. Mais après, c'est que c'est une chaise roulante volée, tu sais. Fait que c'était comme, ouais, on avait croisé la police, mais en tout cas, ouais. Là, j'ai honte. Wow. Mais c'est parce que je me rappelle juste. Je raconte tout ça, puis je fais non, j'aurais pas dit comme ça. T'as gardé la chaise roulante pendant combien de temps?
Ah, je l'ai gardé jusqu'à ce que je change d'appart, puis je l'ai laissé à cet appartement-là quand j'ai déménagé. Puis ça a l'air que les concierges l'ont pris. Bon. Fait que ouais. OK. Mais ouais, on avait failli se faire pogner par la police. Vraiment, soudainement, une chose ou l'autre, ouais. Je vais pas te mentir, Charlotte, je suis vraiment perdu sur ton histoire. Ouais, 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 ouais. Je vais pas mentir, je suis très perdu. Dans mon langage, ton histoire est à Z. Ouais, je suis comme, OK, t'étais rendu à l'hôpital, t'as marché sur un clou, t'as volé une chaise roulante, là, ton ami de 6 pieds 6, c'était dans la chaise. Mais c'est parce que là, tu me donnes une minute pour penser, là. Non, c'est moi, un faux une minute. Ouais, c'était un faux minute, mais... Ouais. Moi, je m'attendais à ce que tu me racontes une histoire que tu t'es réveillé dans une ferme à côté d'un cheval. Non. 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 Bon, ben alors, quoi? Il faut que je... Attends, vous voulez que je pense, là? Ok, vas-y. Rendu là, ouais, vas-y. Rendu là, vas-y. Rendu là, vas-y. On va te suivre. Vous allez couper au montage? Attends, j'essaie de penser à une... J'en ai trop pour vrai, là. Combien d'histoires de... TDAH! TDAH for real! J'ai déjà fait... Les seules fois où dans ma vie j'ai volé... Ok, c'est quand t'es saoule. C'est quand j'étais saoule, mais j'ai volé des choses comme... vraiment pas importante, genre des pepperonis à la caisse. Genre, tu sais, les petits... Ouais, les beef jerky, là. Ouais. Aziz. J'ai déjà volé une caisse de bière dans un dépanneur vraiment saoul. Okay. Je suis désolée encore pour le monsieur dans le dépanneur parce que... parce que c'était pas... Qu'est-ce que j'ai volé ou comme Dieu, là, je pense que ça fait longtemps. Parce que si la police écoute ton affaire, là, t'es dans la merde, hein. Genre, t'as volé une chaise roulante. T'as volé une chaise roulante, t'as volé des pépéronis. Ah, ce serait vraiment drôle que je vois ta. En fait, Charlotte, t'es une. Comment on dit? C'est-tu une kleptomane? Non, ça, c'est ceux qui mentent. Ouais, kleptomane? Ouais. Ah ouais? C'est-tu ceux qui mentent ou ceux qui volent? Ça, ceux qui volent. Okay. Les kleptos, c'est ceux qui volent. Ok, ben ouais, c'est ça. C'est pas mytho pour. Mytho, c'est les mentes. Mythomane, c'est ceux qui mentent. Ouais. Ok. Oh ouais, bon. Bon, Charlotte... C'est sûr que tu vas pas monter sur le wall of fame des histoires qu'on a entendues, ça c'est ouais. sûr. Tout ce que je sais, c'est que... dans l'autre direction. C'est bon. Tout ce que je sais, c'est que tu voles des pépéronis sur... Et des chaises roulantes. Yo, cache les pépéronis ici, là. Non, mais ça va, c'est du gin sans alcool. Ah, okay. Mais t'as voulu une chaise roulante à Jean. Ouais, c'est ça, j'ai dit, je me suis contredit, j'étais comme, les seules fois que j'ai volé, c'est quand j'étais seule, 5 minutes avant, j'étais comme, j'étais à jeun quand j'ai volé la chaise roulante. Fait que ouais, désolé. C'est cool. Je suis peut-être mythomane aussi. Ouais. Oh, wow, OK. Je ris, mais c'était vraiment pas drôle, mais je ris quand même parce que... C'était juste drôle parce qu'elle a été all over the place. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, whatever. Ouais, okay. C'est ça. Donc là, normalement, on a notre segment qui s'appelle Yo, t'es sérieux, mais on a dit, bon, vu qu'on a Charlotte qui vient aujourd'hui, je vais changer mon petit Yo, t'es sérieux. Okay, maintenant, okay. C'est... Est-ce que Charlotte est vraiment about that life? Ça s'appelle le segment. En quoi? En français, ça veut dire est-ce que tu es vraiment sur ça? OK. Donc, je t'écoute. Je vais te poser une question. Et tu vas me dire parce que pour le monde, parce qu'au début, on n'a pas dit Charlotte. Attends, mais on ne garde pas encore le suspense? Yeah, mais on peut le mettre là, mon cher. OK, d'accord, fuck it. Donc, Charlotte, c'est sûr, il y a plein de monde depuis le début l'autre vin, si tu veux. Qui se demande, c'est qui Charlotte? Pourquoi ils ont invité Charlotte? Donc, Charlotte est une... Comment, c'est quoi le mot qu'on dirait? Actrice porno? Et ouais, c'est une... on va dire actrice porno québécoise. Québécoise, donc c'est ça le bon terme? Je sais pas si vous avez dit en même temps, je ne suis pas sûr que tu es une travailleuse du sexe. Ouais, je suis sex worker. OK. All over the place. Ben, il y a sûrement des trucs que j'ai pas fait, mais okay. Je suis escorte, danseuse, entre guillemets, parce que j'appellerais... Je me mets pas dans la catégorie. Je suis vraiment une mauvaise stripper. Je danse extrêmement mal. Mais je fais mon argent pareil, fac. Genre, je dois pas être super. OK, so t'es pas capable de twerk, là. Non, tu me demanderas pas ça. J'ai pas les pantalons pour ça. J'essaye. Pour vrai, j'ai demandé à plein de mes collègues, j'essaye, j'aimerais tellement ça, twerker, mais... J'ai envie de changer mon segment, est-ce que t'es game? Rapproche le micro vers toi, s'il te plaît. Ah? Rapproche le micro vers toi, il n'y a pas de problème. Je veux juste me faire mon verre. Ouais, 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 prends ton temps. Donc, moi, ma question est par rapport à ton côté actrice porno. Ouais. Donc, je veux que tu nous donnes, tu sais, il y a plusieurs catégories dans la porno. I guess. Ouais, ben on appelle ça. Ouais, c'est des catégories. Ouais. Juste savoir, c'est quoi tes trois catégories préférées?
Que moi, quand je regarde la porno? Non, quand toi, tu fais de la porno. Ah, mon Dieu, ben comme... J'aime soumission-domination, genre. Comme, quand même, comme... Dans la porno, comme professionnelle, je prends souvent un rôle de fille soumise. OK. Mais j'aimerais explorer plus, mais c'est souvent là qu'on me met. Tu sais, comme petite fille soumise. Okay. Ben, petite fille, okay. Jeune fille soumise. Mais je dirais... Est-ce que c'est mes préférés? J'aime bien. Je trouve que c'est simple. C'est facile. Je suis capable d'acter dans ça. Tu sais? OK. Après... Mon Dieu, des catégories comme... Donne-moi d'autres exemples, genre, tu veux dire, genre... Gangbang, femme... OK. Girlfriend experience. Mais c'est pas des trucs que j'ai fait, mais j'ai des choses que j'aurais voulu faire. Genre, gangbang, ça, c'est genre dans mes gros fantasmes. Genre, le sexe à plusieurs. Fait que sexe à plusieurs, gangbang, soumission, je te dirais. Okay. Ou domination même, ouais, parce que les deux peuvent être cool. Okay. Quand t'as un rôle précis, c'est comme... simple, mais j'ai pas expérimenté gangbang, fait que peut-être que je dis ça puis finalement je vais le faire puis je vais revenir comme en pleurant de cette expérience là, mais d'après moi je suis prêt parce que c'est drôle que tu dis ça parce que quand je t'ai abordé, tu sais, puis quand on a commencé à se parler, j'ai été regarder un peu tes affaires, puis poignette, ouais, ça m'a pris toute une journée là, mais bon. ouais. Mais je pense, parce que initialement tu m'as dit que tu n'as pas fait beaucoup de scènes. Non, pas beaucoup quand même. Exact. So, une des agences, une des productions que j'ai été voir, où ce que t'as, comme tu as ton profil puis tout, je ne sais pas si c'est ta première scène, mais c'était marqué Charlotte Sand Casting. So, je ne sais pas si c'était ta. Yo, Charlotte, j'avais mal pour toi. Ah, mon Dieu! Tu trouves que c'est rough? Yo! C'était WWE, okay, toi, là! OK, lui, il me dit ça, WWE, mais toi, tu trouves ça comme si c'était rien. Yo! J'allais battre le panneau pour elle! Mais c'est la magie du cinéma. Je veux pas comme vous faire, tu sais, des déceptions, mais... Est-ce que tu parles de la grosseur du pénis du dude? Non! Non! Moi, je voyais que le gars te lançait sous le lit, mais ça, il tournait 160, tu revolais, oui, yo, mais... ça met sur ta face, j'étais comme... Oh! Yo, on se bat là! Comment quelqu'un me fait ça, on se bat? Mais là, t'as vu juste l'annonce. Là. Oui, j'ai juste vu le preview. T'as pas payé pour aller checker. Là. T'as regardé la petite comme annonce où ils mettent toutes les bouts, où est-ce que le gars, il met sa main sur ma gorge, il flippe des bords. Exactement, en ouais. En plus, il y a des gros muscles. Pis yo, tout. C'était WWE, oui. Là. Mais comme, non. C'était Big Show, là, qui choque ça. Comme des blouses, comme, oh! Mais oh, non, ouais, non, c'était chill. Ça, c'est pas ma première. Ah, c'était pas ta première, ça. Mais c'est la première qui est sortie. Fait qu'ils ont appelé casting parce que l'autre que j'avais déjà tourné, c'était le plus long avant qu'elle ait été produite puis comme postée. OK. Mais celle-là, c'est ma deuxième. Mais c'est avec le même acteur que quand j'ai fait ma première, qui était super soft. Vraiment, genre le contraire. Mais ça a l'air rough, mais il est vraiment comme un Alex Ducas, c'est vraiment un gros nounours. Il est full gentil, genre, puis doux. Oh, ouais. Mais ouais, il a l'air rough, genre, puis il est comme... Moi, il me faisait peur quand j'étais arrivée. La première fois que je l'ai vu, c'est mon premier film. Puis j'étais genre intimidée, puis il est grand puis costaud, mais genre, il est full cute puis sweet, puis il est super fin. Genre, il a une personnalité comme énergique, mais il est... Tu sais, comme le réalisateur, il va faire genre... OK, là, j'ai besoin d'une pirouette. Puis là, tu le sais que tu vas te faire tourner de bord, puis tu le sais que tu vas te faire comme... Okay. Tu sais, c'est les comment tu dis, là, genre, pas l'introduction, mais c'est les entre les deux. Comment t'appelles ça, là? J'ai un blanc. Entraque, je vois. Voyons, le mot, là. Leg producer, comment on appelle ça? Tu sais, il y a une scène, il y a une autre scène. Voyons, j'ai un gros blanc, ça finit par « on ». Deux scènes, comment on appelle ça? Une transition. Oui, c'est les transitions, genre, okay. Qui sont comme « OK, là, on fait une transition, on recommence telle scène ». Pour telle position pour aller à l'autre position, fait que je le sais qu'il va me pogner puis qu'il va me tourner, puis il va me demander, tu sais, c'est comme il est pas en train de m'étrangler, je sais pas s'il m'étrangle dans celle-là, mais tu sais, non, sa main était sur ta face. Ah ouais, là, la tête comme... écrasée dans l'oreiller. Yo, je suis comme yo, je te dis, je vais me battre pour toi. Je suis comme yo, what the fuck. Les petites claques. Non, les claques, c'est correct. Moi, c'était vraiment cool. À un moment donné, il l'a pris puis il a tout. Elle a fait un 360 sur le lit. Là, ouais, je comme, c'est, oh! Dans la... c'est cool, je comme, ça. Oh, ben, yo. Ah, c'est cool. Ben, parce qu'il est fort puis tout, puis ça se passait bien. Là, genre, OK, sur quand t'as amené le script, t'étais d'accord avec ça. Dans le fond, c'est une de mes questions. Il n'y a pas de script pour les positions tant que ça. On sait un peu, mais ça, c'était une improvisation, il me semble. Je me rappelle de cette pirouette-là en particulier parce que c'est genre le réalisateur qui avait fait comme...
là, fais-moi une petite pirouette là, pour une transition qui va être cool, nanana. Puis là, il m'avait... Pouh! Mais comme il m'a vraiment twisté, genre fou. Ouais. Vu qu'il est fort, je sais pas, on dirait que ça n'a pas été comme moi. J'ai pas eu mal dans ce tournage-là. Je me rappelle que j'étais comme... Wow! Tu sais, genre, je me fais donner une crise de ride, on va se le dire. Comme si on va se le dire, mais... J'ai pas eu mal. Genre, tout était chill. Okay, okay, mais j'ai vu pire, pour vrai, dans ma vie personnelle. J'ai comme sorti pendant 3 ans avec un gars super sadique. Il était super fin, mais c'est comme un... Tu sais, ouvertement très sadique. Fait que, genre, genre, pour vrai, je devrais lui donner de l'argent pour m'avoir comme préparé à la porno parce qu'il m'a habitué à des douleurs ou genre des... Wow! Du sexe vraiment rough. Fait que ça m'a quand même assez... Okay. Wow. J'avais vu pire. Oh, shit! Okay. OK. Bon, ben, ça, tu nous as raconté ça, c'est bon, parce que maintenant, on va vraiment rentrer dans qui est Charlotte Sand. Donc... Qui suis-je? Mais c'est ça. Donc, on veut savoir, comme, pas tes débuts, mais avant que tu rentres dans la porno, puis c'est comment t'as fait ton chemin pour arriver là. Donc, on veut savoir un petit peu. Premièrement, le nom Charlotte Sand. Charlotte Sand, c'est à cause que j'aime Charlotte Gainsbourg. J'aime le nom Charlotte. OK. Ouais, c'est pas mon vrai nom, désolée. Ouais, d'accord. Et j'aime l'actrice porno Charlotte Sartre. C'est genre une petite gothique, full cute. Okay. Je regarde pas beaucoup de porno, mais des fois, j'ai des actrices que je trouve super belles, genre super intéressantes. Fait que là, je tripe sur eux autres. Mais fait qu'en gros, c'était tout un mélange de tout ça. Puis il fallait que je choisisse un nom qui fait nom, prénom, nom de famille. Ah, et je me suis dit, San, ça fait très nom de famille, même si... Okay. Il y a du monde qui m'appelle Charlotte San. Puis là, je suis, non, c'est pas ça. Okay. Mais ouais, qui suis-je? Ben, avant de faire de la porno, moi, je travaillais dans les cuisines. Okay. Genre, j'ai quand même lâché l'école assez tôt, parce que c'était pas ce que je voulais faire. Après ça, j'étais dans les cuisines, puis j'étais pas mal sur le party quand j'étais comme de 17, 18 à... Mon Dieu, genre 25 ans, peut-être un peu avant, je commençais à me calmer un peu. Beaucoup sur le party, tu sais. Après ça, je commençais à me calmer tranquillement. Puis, dans le fond, quand il y a eu le COVID, parce que j'ai commencé la porn après le COVID, ça fait pas si longtemps. Comme okay. le premier confinement, là, si je me rappelle bien, maintenant, on dirait qu'on calcule les années en premier COVID, deuxième COVID, ouais, genre tout ouais, ça. Ouais, quand il y a eu le COVID, j'ai malheureusement pas commencé. J'aurais tellement dû parce que OnlyFans, je suis sûre que ça aurait été super payant dans le temps des premiers confinements. Mais j'ai commencé un peu après parce que dans le fond, moi, j'avais déjà plein de photos de moi sur Internet, genre où est-ce que je suis genre tout nu puis tout ça. Genre, j'étais sur des sites genre de fétiches comme où est-ce que j'aimais juste m'exposer. Je suis comme exhibitionniste quand même. Okay. Puis là, quand j'ai entendu parler d'OnlyFans, j'étais genre, dude, je fais ça, mais comme je suis pas payée, je suis bien conne, je devrais le faire puis faire du cash. Moi, j'ai aucun problème, mais tu sais, moi, c'était juste comme, je vais prendre des photos, tu sais. Puis 2 jours après que je commence à parler avec une de mes amies qui a un OnlyFans, elle me dit, mais est-ce que t'es down, genre, de faire juste des photos ou la porn aussi? Puis là, j'étais comme, je me suis juste comme posé la question, je pense, 4 secondes, j'ai fait, ah ouais, de la porn. Puis là, comme, elle m'a donné un contact pour faire une collab avec un gars avec qui elle avait travaillé. Puis lui, il était comme, genre, c'est juste un gars qui a une caméra comme performante, puis un beau pénis. La décision puis là, était simple comme ça? Je me suis pas posé plus longtemps la question pour OnlyFans. Puis après ça, après pas longtemps, après avoir fait quelques collaborations avec d'autres personnes, avoir comme montré tout ce qu'il y avait à montrer de mon corps, puis genre, whatever, sur mon OnlyFans à moi. J'étais comme, ah, mais là, je suis down d'essayer la porn pro, même si j'avais un peu peur. Mm-hmm. J'étais stressée, puis là, j'ai commencé. Puis après ça, là, tout a été comme de fil en aiguille. Puis le sex work all the way. OK. Okay. Mais avant la COVID, t'étais-tu déjà dans le monde du sex work? Non, c'est ça. Avant le COVID, je faisais juste, je serais dans une cuisine, moi. J'étais bien peinard. J'avais mon cul sur Internet, mais juste comme ça, pour par plaisir. C'était juste okay, c'était le plus que tu avais fait, là. Juste des photos sur Internet. Ouais, des photos. Pas d'escorte, rien de ça. Jamais, non. Mmh. Oh, non. Okay, fait, tout ça, c'est tout récent dans un melting pot en même temps. Quand même, ça va... Attends, le premier COVID, c'est quand? 2020. Ben, c'est ça, ça fait 2 ans. Je suis encore un petit bébé du sex work. Oh. Est-ce que tu as l'impression que tout ça est venu main dans la main, genre? La pointe,
les OnlyFans puis le sex work en même temps, genre. Ah oui, absolument, quand même. Ça a été comme de fil en aiguille parce que, tu sais, OnlyFans, c'est chez toi. C'est toi qui décides ce que tu fais, ce que tu montes tranquillement. Puis après ça, ben là, la porn québécoise, ben, tu sais quel acteur ça va être, quel acteur, nanana. Puis là, veux, veux pas, à un moment donné, ben, c'est ça, ça m'a amené à devenir. Je me suis lancée, j'ai commencé dans les salons de massage pour tout ce qui est sex work, comme dans la real life. Là. Oh, ouais. Parce que j'avais comme fait des certaines scènes avec des acteurs, genre, que je n'aimerais pas nécessairement. un acteur que je n'aimerais pas. Puis bref, je me suis rendu compte comment j'avais pas d'attirance physique pour cette personne-là, pas en toute. Mais genre. Ça m'a pas dérangé, ouais. J'ai eu du fun pareil, j'ai été capable de faire les faces qu'il fallait que je fasse, puis je l'aurais pas fait si on m'aurait pas donné un chèque à la fin, tu sais. Puis là, je me suis dit, dans le fond, me faire. Puis après, je me sentais pas du tout comme. Tu sais, il y a des filles ou des personnes qui vont genre faire le sex work, c'est pas fait pour toi, tu sais. Ça peut te faire sentir genre, ah, je me sens utilisée, je me sens salie, je me sens whatever. Moi, ça me fait pas ça, pantoute. Je me sens comme. Powerful, tu sais. OK, nice. Ben, parce que je me dis, le gars, il paye pour me fourrer. Ou le monde paye pour me voir fourrer. Ça donne de l'approbation, ça donne genre de... C'est genre, ça donne confiance en toi, whatever, qu'est-ce que tu veux. Pour moi, c'était juste du empowerment. Mon anglais ouais. est vraiment cool. Puis, mais non, c'est ça, pour moi, c'était juste positif. Puis, c'est ça, j'ai commencé tranquillement salon de massage. J'étais comme, non, mais moi, je veux juste faire des petites branlettes, là, rien de plus. Puis, je pense, troisième journée, j'étais comme, ah, fuck that, je suis capable. Puis, finalement, wow! C'est ça. Damn! Okay. OK, toi! Vas-y. J'allais juste demander, est-ce que tu considères pour toi que c'est comme une forme d'art? La porno, ça peut l'être, absolument. Il y a genre plein de créateurs, créatrices que je suis ou que je vois comme juste leur Instagram ou leur OnlyFans. Ils font carrément de l'art avec ça. Là. C'est genre super différent que la porn pro ou des photos aux vidéos. Tu peux vraiment te laisser aller puis faire de quoi de beau là, sur lequel tu vas vouloir te crosser. Ça peut être super artistique, la porno. Mais après, puis pour les strippers, genre ceux qui dansent, moi, je peux pas me considérer comme que je fais de l'art quand je danse. Là, parce qu'on n'en parlera pas plus là, de mon beau twerk. Mais c'est ton dos qui bouge. Hein? C'est ton dos qui bouge. Et genre, c'est tout mon corps qui bouge. Là, genre, si tu vois, si un miroir en avant, là, tu vois que mon ventre, il est genre, bah, 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 en même temps, tout bouge. Genre, je suis sûre, mon double menton fait clac, clac, clac. Genre, j'essaye, mais. Ouais, non. T'as jamais pensé à prendre des cours pour mieux danser? Ou bien ben, j'aimerais ça pour vrai. Pour dancing, juste... ces affaires-là, t'as jamais pensé à ça? J'ai aucune coordination, genre, fait les cours. Ben, c'est pas vrai, je suis drummeuse, fait que j'ai quand même un minimum de coordination, okay. J'imagine, là. Okay. Mais j'ai suivi comme 2-3 cours de pole dancing avec une fille, puis pour vrai, genre, elle devait se dire, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis pas si pée, mais comme, c'est pas genre, mettons, naturel, mais tout ça prend. Ouais. Mais oui, définitivement, j'aimerais ça peut-être plus prendre des cours de... quelque chose genre de sexe, de sensuel, genre, je sais pas, la salsa. Tu sais, genre, comme, que des pole dancing, parce que... I guess. Du Zumba, je sais pas. Non, Kizumba. Ah, peut-être. Ouais, peut-être. Mais c'est sûr que, genre, les cours de groupe, là, oublie ça, là, je veux pas que personne me voit. Je veux pas être capable. Mais, genre, oui, j'aimerais ça prendre des cours de danse pour être capable d'être, genre, tu sais, développer parce que qu'est-ce que j'aime de danser, c'est plus faire comme, tu sais, genre, créer un genre de build-up, un genre de, comment t'appelles, comme une excitation entre le client et toi ou le, okay, ouais, celui ouais, qui te voit. Puis ça, je pense pas que t'as besoin d'être capable de faire plein de flips sur un poteau. Là. C'est vraiment impressionnant, le poteau. Mais je pense que tu peux être à quatre pattes sur un stage puis faire la même job. C'est, mais j'aimerais ça pouvoir développer des... Dans le fond, c'est augmenter ton sex appeal. Oui, non, c'est sûr. Okay. Mais c'est ça. So... Là, OK, tu disais que y a des gars, justement, comme dans tes premières scènes qui sont, genre, pas sur le net, I guess. Ouais, non. OK, c'est des gars comme si, genre, qui t'étaient pas attirés envers eux, mais t'étais quand même capable de le faire. Ouais. So, ma question est, les gars, justement, avec qui, genre, parce que j'ai vu que t'as des scènes avec Rick Hard, l'autre partner, Alex, t'as dit, Alex, comment Alex ça? Alex Ducard. Ouais, c'est ça. C'est-tu des gars que avant même que t'embarques dans une scène...
Est-ce que tu chilles avec eux? Est-ce que tu apprends à les connaître? Est-ce que c'est... Ou bien tu comme... OK, ben moi, je viens travailler, puis fuck that. Ils arrivent à me faire mouiller ou je mets du lube, puis... Ah, beaucoup de lube. Ben là, ils sont quand même bien équipés, là. Fait quoi, du lube? Équipés... Ah, OK. Ils ont un beau... OK, mais t'apprends pas à les connaître avant même de faire ta scène. Ben, quand t'arrives sur une scène, dans le fond, ça dépend, parce que Pégase et Adécatex, c'est qu'ils fonctionnent pas pareil exactement, même si ça se ressemble. Pégase, ils ont comme maquillage, c'est un peu plus long, le tournage en tant que tel. Mais normalement, tu sais, t'as quand même un peu de temps pour parler, genre, mettons... mais tu sais, t'es pas obligé, là. Si tu voudrais, tu pourrais arriver puis mettre tes écouteurs puis rien faire, mais... Je vois pas le but là, de comme ignorer l'acteur avec qui tu vas fourrer dans pas longtemps. OK, sauf tu chit-chat quand même avec eux. Ouais, ben oui, moi j'avais, je me rappelle, Ricard m'avait full parlé dans le temps que je fumais, fait qu'on fumait des clopes en attendant que tout soit prêt parce que le réalisateur il prépare le setup, nanana. Mais toi tu arrives quand même avant un peu que tout soit prêt. Okay. Là, il fait des tests, nanana, mais avant de mettre un condom puis de commencer à comme le tournage, tu parles avec, puis après en plus ben le réalisateur là il t'explique comment la scène va être puis tout. Y a-tu beaucoup de monde sur le set? Sur le set? Non. Mais moi, j'ai commencé pendant le COVID. Ouais. Donc, il y avait juste une personne. Il y avait le réalisateur qui est en même temps le caméraman. Pour Adécatex et pour Pégase, c'était comme ça. Sauf la première scène que j'ai faite, ben, il y avait aussi une autre actrice parce que c'était un threesome. OK. Mais le moins de personnes possible. Mais je pense que c'est comme une recette gagnante. Là. Je pense pas que tu as besoin de plus de monde, plus que tu as de monde, plus qu'il y a quelqu'un qui peut payer plus... Piler sur un fil, faire du bruit, j'ai l'impression. Fait que okay. Je pense que c'est chill. Là, avec... Et vous remarquez pas, je veux jamais que vous m'aidiez. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est plus facile de contrôler la qualité. Fait qu'imagine dans ce domaine-là, j'imagine que le gars, il a sûrement soit sa caméra handheld ou sur un genre de gimbal. Là, genre. Une affaire qui fait que ça bouge, c'est ça, ça fait pas ça comme ça. Ça shake pas, là, exactement. Ouais. Fait que quand t'es là-dedans, tu veux pas que le monde parle dans ta tête. Tu veux pas avoir. Tu veux vraiment un organe. Comment je pourrais dire ça? Un environnement contrôlé. Mm-hmm. Puis le moins t'as de personnes, c'est sûr, si c'est plus professionnel, ils vont maximum avoir quelqu'un qui a un genre de micro perché. Ouais. Puis mais là, il l'installe, mais semble genre lui-même en quelque part. Je me rappelle plus s'il tient, je sais pas trop. Moi, j'ai déjà été sur une production porno un peu plus gros. Okay. J'étais visiteur, par contre. Quand je travaillais pas dessus en tant que réalisateur ou quoi que ce soit. Puis c'était un caméraman. Un gars qui faisait la perche, ouais. Puis un gars qui tenait le réflecteur pour les lumières, genre. Okay. Il y avait des trucs de lumière comme ça, puis il tenait les genres de réflecteurs. That's it, that's all. Puis ça, c'est que il y avait peut-être sept personnes qui performaient. Oh, shit, OK. Wow. Sept personnes en même temps? Genre, dans la même journée. OK, j'étais comme, my God, quand même gros film, genre. Mon genre de film. OK, tu veux vraiment faire ça, là? Mais à part ça, là, je trouve que c'est... Parce que t'as dit que t'as jamais fait... Pour toi, c'est quoi un gangbang? Ben, ouais, parce que là, on parle de sept, puis t'as dit que t'aimerais faire ça. Sexe à plusieurs, c'est pas la même chose. Ça, c'est vraiment cool. Ça, j'ai déjà testé. Orgie? Ben, genre, dans les clubs échangistes, genre. Okay. Ou comme juste dans la vie personnelle ou dans mon travail, genre, comme... Genre, hier, j'ai un threesome avec deux garçons pour commencer ma journée. J'étais trop contente. C'était des clients. Okay. Fait qu'en plus, t'es payé pour ça, fait que c'est vraiment cool. Mais gangbang, c'est genre plein de gars sur toi, je pense. Ouais. Ouais, mais tu sais que deux et plus, c'est... Ouais, mais là, faites-vous pas d'idées, les gars. C'est pas vrai, c'est une joke. Oh, non. Non, parce que j'ai ça parce que je suis comme... C'est une blague. Non, mais c'est parce que j'ai bien... Elle a fermé les yeux. Genre deux ou plus. Non, pas ce soir, je t'ai dit, il faut que je travaille. Il y a passé, il y a de l'alcool pour de vrai dedans. Non, parce que tu disais ça, puis tu disais. Tu disais ça, mais je suis comme. T'as quand même eu une scène de DP. Non! Ah oh oui, c'est vrai, oui. J'avais oublié. C'est pour ça que j'étais comme. Ouais, je comprenais pas, là. Ok! C'est tout dans les mystères. Ah oui, non, moi je suis venu, mais j'ai fait mes devoirs. J'ai fait mes devoirs. C'est bon. J'ai des questions à poser. Puis yeah. Sur ça, quand tu m'as dit, comme, OK, toi, je suis comme, mais t'as eu une scène d'hippie, ça. C'est un gangbang, ça. Mais ben, moi, je dirais, genre, tu sais, j'aurais. Mettons, à 3 et plus, là, ça serait cool. Pour toi, c'est 3 et plus, OK. Moi,
comme t'es trois, comme trois personnes, ça c'est un threesome. Quand tu vas plus haut qu'un threesome, mm-hmm. moi c'est là mais pour que moi, c'est à... ça serait comme, c'est ça, threesome. Moi aussi, trois personnes, même que ce soit deux gars, une fille, trois filles. Genre, pour moi, okay. un gangbang, c'est plus que c'est une fille avec des gars, donc genre... Quatre gars au moins. Genre. Ben, mais... Officiellement, dans le monde du porn, à quatre, c'est pas encore un gangbang. Ah oh, bon? Ouais. OK. C'est un foursome. Okay. Oh shit! Okay. Fait que ça serait au moins genre 5 gars, genre 5-6 gars. 4 gars puis une fille, là c'est un gangbang. Là c'est un gangbang, ok. Ouais. Mais okay. tu sais, c'est un fantasme. Est-ce que ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment? Je le sais pas. Tu sais, genre, c'est ça que j'avais répondu au, je pense, que réalisateur de Pégase. Là, il m'avait demandé c'est quoi mes limites, qu'est-ce que, comme il m'avait dit gangbang. Puis là, j'avais dit pour vrai gang. Il me semble que j'avais dit pas de problème, mais après, genre, j'ai jamais fait. Fait que est-ce que je vais. Je sais pas, tu sais, genre c'est. T'as-tu aimé le DP? Oui, c'était cool, mais en plus, c'est même pas un DP anal, hein, c'est un DP. Ouais, non, c'est ça que j'ai vu. C'est ça, parce que. Attends, oh! DP, les deux dans le même. C'est mon talent, je suis. Straight. Oh, okay. Mais c'est parce que moi, je Ok, toi, t'es en mode de. Jusqu'au poignet? Non, en plus, je suis quand même. Genre, ça fait longtemps, là, ça se referme. Tu viens de me dire hier matin ou ce matin, t'avais deux gars? Ouais, mais ils m'ont pas. Ils n'ont pas deux. Ah! Ok. Je suis pas. Wow. Non, j'ai pas dit que t'étais wide, là. Juste dit, comme, j'essaie de comprendre. Non, mais c'est ça. J'ai pas proposé cette option. Okay. Mais non, c'est juste parce que moi, l'anal, dans le milieu de la porn, je suis pas tendance, là. Tu sais, c'est comme. Je garde ça pour ma vie personnelle, genre. Puis certaines exceptions, genre des clients, mais encore là, Coupé. Personne ne me demande ça parce que je trouve ça vraiment intime, puis ça demande la préparation. Comme j'ai dit, j'ai une faible tolérance à la douleur. Fait que ça fait un peu mal pour moi, l'anal. Fait que je suis pas une anal queen à pantoute, même si j'aimerais vraiment ça. Mm-hmm. Fait que la porn, pour moi, c'est genre... Quelqu'un, tu sais, genre, il faut quand même que tu performes, veux pas. Fait que l'anal, c'est genre pendant une scène, le gars, le réalisateur, il va pas attendre genre 45 minutes que le gars, il fasse comme OK, encore, doucement. Tu sais, genre, okay, fait que pour moi, non. Fait que je me suis travaillé pour avoir d'autres talents. OK. OK. Fait que c'est Work ça. On your craft. Mais Charlotte, en même temps, là, comme je vais sortir un peu de la porn, là, tu décides de, OK, maintenant, c'est ça que je veux faire. C'est mon nouveau choix de carrière. Comment j'annonce ça à mes parents? Comment je dis ça à ma famille? Ton entourage, comment ils vont prendre ça? C'est ça maintenant que je veux faire. Est-ce qu'ils le savent, premièrement? Oui. Moi, tout le monde sait. Après, ma famille est un peu... Je pense qu'ils ne savent pas exactement pour le sex work, comment les clients puis tout ça. Ils savent, mais ils ne veulent pas savoir. Fait qu'ils ne posent pas de questions, vraiment. Okay. Mais pour la porno, dans le fond, c'est drôle parce que... Peut-être comme une semaine avant d'avoir mon premier tournage à vie, j'avais appliqué dans un sex shop. Puis j'avais dit à ma mère que j'allais travailler dans un sex shop. Puis là, ma mère, elle a dit ça à mon père, tu sais. Puis là, moi, je me fais appeler, je me fais dire comme, tu sais, que je vais prendre un truc de porn. J'avais déjà OnlyFans. Ma mère, elle savait. God damn! Elle savait, mais elle était genre, OK. Fait que là... J'appelle ma mère, puis j'ai dit, tu sais, comme maman, genre, je vais faire de la porn vraiment, là, tu sais. Puis là, je me suis dit, tu sais, OnlyFans, mon père, ma famille, il n'y a pas beaucoup de chances qu'ils tombent là-dessus, tu sais, parce que c'est quand même, tu sais, je ne suis pas full, méga famous, whatever, tu sais, puis c'est quand même un petit peu plus comme isolé. Ouais, ouais. Mais de la porno québécoise, il y a des chances, là, que genre, mon oncle tombe là-dessus, mon oncle purement québécois, il tombe sur moi. Ceux qui se branlent. C'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, j'ai dit, j'ai pas goût que mon père, il apprenne que je fasse de la porn à ses propres dépens, genre, en tombant sur moi, ou quand se fait en dire par un de ses amis, genre, hey, j'ai vu ta fille hier soir, sti, il y a deux pénis dans le plat, tu sais. Genre, ça me tente. Excusez. Fait que je me suis dit, mieux vaut que je le prévienne, après, ça va être assez risque d'explorer Internet lui-même. T'sais. God damn! T'sais. Fait que là, c'est drôle parce que quand je l'ai appelé, j'étais un petit peu émotive. Là, j'étais comme, hey, papa, j'ai un nouveau. Tu sais, genre, je vais avoir un nouveau travail, nanana. Puis là, il fait, ben oui, maman me l'a dit. Tu sais, il dit, c'est correct. Tu sais, c'est correct. T'sais, parce que lui, il pensait que je parlais du fucking sex shop. Tu sais. Puis ma mère était à côté de lui, puis elle aussi était comme, what the fuck, genre, il prend donc bien ça. Puis finalement, j'étais comme, ben, tu sais-tu de quoi je parle? Puis il était genre, ben, tu vas travailler dans un sex shop. Puis j'étais comme, non, mais c'est un peu plus que ça. Puis dans le fond, je pense que j'y ai dit,
sais, les films, là, genre pour adultes, là, puis tout. Là, il a fait, ouais. J'ai dit, ben moi, je vais jouer là-dedans. Puis là, il m'a dit, ben voyons donc, tu me niaises. Puis après ça, j'ai dit, non, c'est vrai. Puis il a fait comme, hein? Puis là, il était un peu sous choc. Puis, ben là, je me suis mis à pleurer parce que je me sentais, tu sais, c'était d'émotion. J'étais comme, oh, mon papa, j'en ai. Puis finalement, il était comme, ben là, c'est correct, là. C'est peut-être pas ce que j'espérais pour toi, mais tu sais, puis là, ils ont été stressés, genre. Parce qu'ils se disaient, c'est-tu un milieu de drogue? C'est-tu un milieu dangereux? Nanana. Est-ce qu'elle va se faire faire des pirouettes par Alex Ducas? Puis c'est arrivé! Là, genre, les pires cauchemars de mes parents sont arrivés. Non, finalement, c'est ça. Tu sais, je leur ai parlé. Moi, j'ai tout le temps été super comme ouverte avec ma sexualité, genre, avec mes parents. Je pense que c'est moi qui ai initié le sex talk avec ma mère quand j'étais jeune. Là. Wow! J'étais comme. Mais tu vois, c'est ça, là, comme. Je veux dire, la beauté quand même avec les Québécois, parce que je te le garantis, là, pour les peu de femmes noires que j'ai vues dans la pornographie québécoise, c'est garanti que ça n'a pas été smooth comme ça avec leurs parents. Ça, là. C'est s'ils savent. Et ça, c'est s'ils sont au Canada. Si, comme s'ils ne sont pas au Canada, bon, ils ne le savent pas, mais s'ils sont à Montréal... Il passe à l'émission avec un cagoule, genre. Ben, je pense que, anyway, t'es déjà devant la caméra, so, ouais, y a plus de raison, mais je pense pas que ça passait comme ça à la maison ou même avec les cousins, cousines, comme, ouais. C'est pas smooth comme ça. T'sais, nous, notre première émission, on a eu quand même un homosexuel haïtien. OK. Puis, comme on a eu d'autres homosexuels, on a eu des homosexuels québécois qui sont venus à l'émission, puis... Ils ont toutes eu la même situation. Leur famille était... On les ont supportés, puis ils ont ride avec leurs décisions. Mais l'haïtien, là, c'est genre... Il a fait genre 15 ans pas parler avec sa famille. Ah, OK. Je pensais que tu disais incluant l'haïtien. J'étais comme... Non. C'est ça, on voulait juste le parallèle parallèle des deux, lui, ça s'est mal passé. Ouais. Puis, t'sais, les autres, ils ont quand même eu... Ça a été accepté facilement. Tandis que lui, comme, après 20 ans, il est style en train de pas parler. Il regarde sur Facebook. Ah, c'est le baptême de ma nièce. Oh, shit, j'ai une nièce! OK, t'sais, ouais. C'est à ce point-là. C'est triste quand même. En même temps, c'est comme... Nous, on se dit toujours comme, yo, le but, comme, soyez à l'aise dans vos shit, là, comme, faites ce que vous aimez, si vous êtes bien avec ça, faites-le, là, tu comprends, ça sert à rien de juger, ça. Tu sais, c'est pour ça que je trouve comme l'ouverture dans la communauté québécoise est incroyable comparée aux Haïtiens, oublie ça, je peux pas aller dire à ma mère que je suis un acteur porno, là. Ma mère va dire, mes amis, qui sont la game là? Mon Dieu, puis yo, c'est l'église, et puis yo, elle va aller prier sur moi, elle va lancer de l'eau bénie sur moi. Comme si. C'est comme. Est-ce que c'était ça votre rêve à tous les deux? Être un acteur porno? Moi, c'est mon fantasme. Ah ouais? Mais ouais. Bon. Si t'as quelqu'un qui t'en prend, t'as un direct producteur. Tu vas rien faire! Comment je vais rien faire? Tu vas pas faire ça, ta gueule! Tu vas rien faire! Au moins un, mettre ça dans mon bucket list! Moi, je vais le faire! Vérité. Il faut pas du vivant de ma mère. C'est comme ça que je vais le dire. Ok, ouais, je comprends. Non, mais moi, je pense que je vais être obligé d'avoir une cagoule d'eau. Je pourrais pas le faire avec ma face. Comme c'est ça. Un kink, hein? Mais t'as plein de tatous. T'as pas compris quand je te dis pas du vivant de ma mère? Oui, j'ai compris. Oh, papy, cheveux gris, tu les vois pas? L'anglais, là, le négro, là. Yo, bon, je sais pas, même. Moi, je pense pas que j'aurais pu être un acteur, là. Porno, là, je pense vraiment pas. Moi, c'est juste pour essayer une fois. J'aurais pas pu faire ça. D'ailleurs, je veux pas qu'un directeur me dise, yo, comme tourne là, comme yo, whatever, là. Genre, les gros plans d'en face, moi, ça, c'est mes bouts préférés. C'est quand le caméraman se rapproche de la face du gars. Full doucement, genre, ah, ça me... Moi, je ris tout le temps, genre, dans les scènes porno, là. Je suis pas capable de trouver ça, je suis pas capable de pas rire parce que je trouve ça ridicule. Mais dis-moi, combien de temps une scène dure? Ben, genre, réellement? Là, tout le long, genre, de le tournage, le maquillage, whatever, ça dure entre 4 à 6 heures, genre, à peu près. Okay. C'est 7 heures. Mais la scène, elle dure, genre, maximum une heure, là. Il vient combien de fois? Il vient une fois seulement. Il vient une fois. Mais vous recommencez plusieurs fois. Ben, on fait les scènes, genre, séparément, les positions séparément. Genre, souvent, on va commencer avant de commencer la scène, genre, puis le tournage, on va se mettre dans les positions pour prendre des photos. Mmh. Tu sais, des photos comme en pénétration, en pendant quelque chose, ou des trucs de même.
Mais qu'après ça, il va souvent prendre des photos de, des positions, de chaque position, puis après ça, on fait juste faire comme, OK, cette position-là pendant genre au moins un bon 15 minutes. Là, après ça, OK, là, on fait la transition de cette position-là à l'autre, la grosse pirouette, mettons, tu sais. OK, ouais, ouais. Puis là, on passe à l'autre, 15 minutes. Il y a souvent comme 4-5 positions. Puis il y a aussi le moment que j'adore, c'est le moment où est-ce que je peux montrer genre mon grand talent d'actrice au début du film. Ah, ouais, j'ai vu les affaires de professeur. Okay, ouais, toi, j'ai tu vu. Fais du roleplay, ces affaires. Ah, non, 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 c'est sarcastique à fond. Genre, faudrait que tu regardes, genre, parce que les débuts, genre, c'est tellement ridicule, je trouve, la porn québécoise, là. Je juge pas genre les gens qui ont eu les idées, mais je comprends pas. J'ai genre dit, j'ai des bonnes idées, fuck. Mais trouvez-en, parce que je sais pas c'était quoi. Moi, je pense que mon préf, c'était la Saint-Valentin, genre. Ouais, ouais, je l'ai vu. Ben, je pense que j'ai insulté. Je pense que j'ai insulté le réalisateur cette fois-là parce que je riais tellement que là, il était comme. J'étais comme, c'est lui qui a pensé à ça. T'sais, peut-être c'est lui qui a eu l'idée du script, mais c'est parce que. Comment tu veux que je sois sérieuse? Moi, je suis là. Mon chum, le concept, c'est mon chum me laisser, mais c'est la Saint-Valentin. Puis là, je suis tombe triste. Puis là, mon coloc arrive, puis il me dit, mais là, t'es tellement belle. Fait que là, genre, Chris, il me dit que je suis belle. Moi, il faut que j'y suce la queue. Genre, tu sais, c'est comme. Ben, moi, comme... tu sais, il m'a dit. Tu sais, je suis genre, tu trouves que je suis belle? Tu sais, puis là, tu sais, il me dit de dire ça. Genre, tu sais, je suis comme, comment tu veux que je dise ça? Mais comment? Genre, j'y vais all-in, puis je suis comme, j'aurais l'air d'une conne, c'est drôle. Moi, ça me fait rire. Puis je pense que le monde aime ça parce que je regarde les autres, là, puis je vois. C'est rare qu'on tombe sur genre des. Tu sais, des super bons acteurs, genre dans le sens comme... Le début, c'est tout le temps un peu ridicule dans les films porno, on va se le dire. Genre. Ouais. Mais maintenant, je comprends pourquoi. C'est parce que tu peux pas jouer ça sans que ce soit ridicule. Le script est ridicule, fait que... moi, je suis... Ouais. Est-ce qu'en faisant ça, t'as déjà calculé devenir une actrice? Ah non, 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 moi, je peux pas, là. Non, tu vois, elle va rire, là. Elle va se foutre la gueule des gens, là. Je pourrais jamais. Je pense pas. Je pense que comme je perds un peu mon naturel quand il y a une caméra ou quelque chose, là, je m'en tire bien. On oublie la caméra un peu. Ouais. Mais si tu me disais comme... Tu sais que tu m'as dit, genre, OK, en une minute, pense à ton histoire, genre, la plus drôle, puis je suis comme... je jamme. Ah, okay. Fait que okay. Si t'as une caméra pis t'es comme, OK, dis cette phrase-là, ben, les scènes-là, c'est dur pour moi de faire. Les débuts-là, je suis vraiment chiante, je pense. OK. So, là, t'as eu la situation que ta famille a accepté sans ouais, stress. Ouais, je me considère full chanceuse là, de ça. Puis là, t'as. Le coup de tête, là. T'as juste dit, OK, ouais, moi, fuck that, j'ai commencé à faire de la porn. T'en as fait, comme on a dit. T'as juste fait avec, c'est quoi, AD4X. AD4X, c'est juste avec eux que t'as fait ouais, des. Ouais, puis des collabs, genre comme le Threesome. Ouais. Je sais pas, mais semble le Threesome, genre, DP, je pense pas que c'est ni avec AD4X ni Pegas. C'était comme on faisait ça, les. Ben, j'ai vu que Quick Hard était dedans. Ouais, mais c'était lui qui, comme, voulait produire ça ou je sais pas trop quoi. OK. Là, présentement, est-ce que tu as une raison pourquoi tu as décidé de prendre un break de ça? Ah, c'est pas tant ma décision tant que ça. Il y a pas full de contrats qui viennent. T'sais, après, moi, comme j'ai dit, je fais pas d'anal. Puis je pense que c'est ça qu'on recherche chez une actrice, de l'anal. Mmh. Parce qu'on me le demande. Puis la dernière fois qu'on me l'a demandé, j'ai dit, OK, gars, genre, ça a l'air que de pouvoir prendre deux bits en même temps, genre là, dans mon poussi, ça marche pas. Fait que je vais essayer de me forcer. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais me préparer. Puis là, j'ai demandé au réalisateur, j'ai dit, genre, j'aimerais ça juste comme, peux-tu, genre, pas choisir un acteur qui est comme trop équipé? Parce que j'ai vu, il y a des gars qui ont des pénis comme, tu sais, un peu au-dessus de la moyenne, même dans la moyenne. Puis il y en a qui ont des estis de grosses maillages comme que ça n'a pas de sens, genre. Mais moi, je peux pas me faire enculer, là, par un gars qui a un pénis comme... Mais surtout pas pendant un tournage, là, tu sais, comme, let's go, genre, tu sais, parce que... Je pense, en plus, dans ma troisième scène, il y avait une fille qui faisait une scène juste avant moi, puis c'était la première fois qu'elle faisait de l'anal de sa vie, puis elle le faisait pendant un tournage, puis j'étais genre... Qu'est-ce qu'elle fait, genre, puis elle avait mal, comme de fait, tu sais. OK. Oh, shit, c'est dur. Je vous mets au défi de le faire, c'est pas facile. Pardon? Non, on est good. Je passe mon tour. Ben, c'est là qu'il y a votre point G où je suis pas. Non, moi, c'est pas vrai, c'est la bullshit. Ouais, dis ça, mais tous bon. Les gars disent ça, mais... Non, moi, c'est mon chest, c'est mon chest, ouais. C'est moi, bon. C'est ça, mon point G. Moi, c'est mes oreilles. Ouais. Ouais, c'est bon. Comme, j'ai pas besoin d'aller voir là. Anyway, je vous taquine, mais je vous mets pas de la pression là. Inquiétez-vous pas, vous faites ce que vous voulez. On n'a pas de pression. Mais non, c'est bon. Mais non, c'est ça, genre, ça a l'air d'être trop.
Ça, ben c'est ça, le réalisateur, il m'a dit « OK, c'est bon ». Puis il m'a annoncé la date et l'acteur. Puis là, je suis allée regarder l'acteur, c'est qui. Puis c'est genre... j'ai plus son nom, man, mais il a un pénis comme gros comme mon bras, là. J'étais comme... là, j'ai été m'acheter un dildo gros comme mon bras. Je suis quelqu'un de motivé, hein. Genre, j'ai été m'acheter des petits kits, là, de plus petit au plus grand. OK! Puis j'étais... après, comme une semaine, j'ai fait... dude, est-ce que je veux vraiment me charcuter le corps pour 700$ ou 900$ ou je sais pas trop. Oh, c'est 900$? Ouais, je sais pas si je suis supposée de pas le dire. Il me semble que c'est écrit nulle part dans mon... j'allais te demander si c'était payant en plus, mais bon. Okay. Mais tu sais, comparé à ce que je fais, genre le travail du sexe comme escorte, danseuse, whatever, je fais ça des fois en beaucoup moins de temps, puis avec mes limites à moi, tu sais. Okay, ouais. J'impose mes limites, tu sais, c'est... genre, c'est moi qui charge mon prix, c'est moi qui charge tout. Fait que, tu sais, je préfère beaucoup ça. C'est plus naturel, puis t'as plus comme de possibilités d'avoir du plaisir avec des clients, tu sais. Ah, oh ouais? Ben oui, parce que il y a pas de caméra, là, qui te filme. Genre, c'est comme que je te disais, le gros plan, là, qui approche de ta face, là, c'est... oui, mais c'est encore du acting. Mais c'est ça, tu sais, comme quand je suis en train de faire un film porno, je pense à, OK, est-ce que, genre, j'ai joui assez fort? Genre, est-ce que je fais un bon cri de jouissance? Est-ce que je suis... puis quand je suis avec des clients, il y en a des clients que je sens que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent une expérience, genre, super comme pornstar expérience, un peu, genre, tu sais, comme une vibe full, comme ça. Mais il y a beaucoup plus de clients qui sont là pour de l'affection, puis genre, du plaisir pour vrai, te donner du plaisir, whatever. Fait que, tu sais, il y a plus de possibilités de, comme, avoir du fun, puis... c'est ça. Puis je me sens aussi plus comme si je fais une bonne action que quand je fais de la porn, même si peut-être que j'ai aidé des garçons avec mes films de pays qui sont comme beaucoup plus heureux après m'avoir vu. Est-ce que tu dirais que tu fakes beaucoup dans ces affaires-là? Tu dois-tu fakes beaucoup ou bien... dans la porn, oui. Ben, tu sais, comme pas nécessairement, mais tu sais, c'est exagéré un peu, là. Tu sais, si je suis honnête, pour la porn, je suis comme... il y a beaucoup de fake. Genre, tu sais, c'est comme... je veux pas gémir de même là, quand je me masturbe chez nous, là. Comme... oh, shit! Désolée, mais t'as déjà eu une expérience où que le gars t'a vraiment bien fait ça puis... mais c'est vrai qu'aussi j'avoue que c'est comme même plus comme de, je sais pas comment expliquer là, il y a beaucoup de, tu sais, c'est bang bang bang, fait que veux pas, ça incite à crier plus, je pense. Ok. J'ai dû crier de même aussi dans des expériences personnelles, j'imagine, mais ouais. Okay. C'est moins naturel, genre. Ok. T'es là pour faire une performance. L'acteur aussi, là. Puis on a, tu sais, c'est le fun aussi quand même. Genre, moi, j'avais eu, comme Alex Ducas, j'avais eu une bonne chimie avec lui. J'avais trouvé ça le fun pour de vrai, tu sais. Puis je trouvais ça le fun, genre, de me sentir tout petite avec. Il est full beef, genre, puis tout ça. Fait que c'était une belle expérience quand même. Faut que je trouve Alex parce que je vais le faire venir ici. Oh my god, je sais pas comment il va. C'est pas mon ami dans la vie, ni rien. J'ai le trouvé. Mais il est vraiment cool. Ben, je vais t'envoyer son Instagram. Ok, cool, thanks. Ouais, ouais. Moi, j'aurais une question. Maintenant que tu connais la game puis que t'es beaucoup plus. Comment je pourrais dire ça? Éduqué sur comment les trucs se font, tu vois comment que ça se passe et tout. Puis que tu rencontres des murs, maintenant tu frappes des murs par rapport à tes propres limitations. Est-ce que tu as pensé peut-être monter ton site internet, puis maintenant que tu connais certains acteurs, les solliciter, puis faire tes propres productions? J'ai pensé à ça. Mais moi, je suis quelqu'un comme... je suis pas une grande business woman. Je suis très procrastinatrice. OK. Mais j'ai plein d'idées. Mais j'aimerais ça. Genre, ça, c'est quelque chose que j'aimerais... mettons, si tu me donnerais $1 million de même, puis que tu me dis go, ça ferait partie des trucs que je voudrais faire, de lancer mes propres productions de porno. C'est pas non plus quelque chose que je dis qui arrivera jamais. Okay. Mais je pense que je serais plus aussi du genre à ouvrir un salon de massage, comme, puis j'aimerais ça m'occuper de sex workers, genre. Ah, okay. Genre, j'aimerais ça, comme, c'est plus ça qui m'intéresse. Puis aussi, je pense que j'aime faire du montage, j'ai un aspect que j'aime dans la création pour le porno puis tout ça. Fait que oui, c'est des trucs que j'ai pensé. Surtout la production, faire mon site, je suis comme, tant qu'à ça, il y a tellement de plateformes, c'est facile d'utiliser les plateformes. Puis tu dois faire payer pareil. Hmm? Tu vas still te faire payer quand même. Ouais, puis il faut payer de toute façon, même quand tu as ton site, j'imagine, pour de quoi ou whatever. Ouais, c'est vrai. Mais ouais. Dis-moi, là, Charles, ta vie intime. Que j'ai pas compris. Ta vie intime. Ma vie intime. Ouais. Point, point, point. Point, point, point. C'est ça que je veux savoir. Ça veut dire là. Je te crois même pas. Est-ce que Charlotte. OK, on va enlever l'actrice, mais est-ce que mademoiselle, qu'on n'a pas besoin de savoir son nom, à un copain?
Non. OK, d'accord. Oui. Est-ce que tu penses que c'est par rapport à ce que tu fais, comme ton choix de carrière, qui fait que c'est difficile pour toi d'avoir un copain ou est-ce que c'est juste des trous de cul que tu rencontres? Premièrement, absolument. Je pense que mon travail, il affecte vraiment ma vie personnelle, mais je pense pas qu'il affecte négativement. Okay. Parce que dans le fond, moi, avant, mettons, de faire de la porno, avant de faire de faire escort, whatever, j'étais quelqu'un qui accordait vraiment beaucoup d'importance à ce que les gars vont penser de moi, genre, puis mon approbation que j'ai des garçons. Puis, okay. genre, dans le sexe aussi, j'en cherchais beaucoup d'approbation. Fait que dans mes relations, mettons, j'allais vraiment plus penser au plaisir de la personne, ce qui est cool. C'est le fun, quelqu'un qui s'occupe du plaisir, ouais, ouais. genre, pis tout. Puis comme donner une performance un peu, genre, tu sais, de comme être belle, bien faire le bon bruit, nanana, faire plaisir. Puis j'oubliais beaucoup, moi, mon plaisir à moi. OK. Tu sais? OK. Puis maintenant, dans ma vie personnelle, vu que je suis comme quand même consacrée, parce que escort, c'est un peu aussi ça, dans le sens que, ben là, le gars, il paye, il veut quelque chose, tu sais, je suis là pour lui faire plaisir, tu sais. Mm-hmm. Fait que je pense à lui avant moi aussi, tu sais, mais si j'ai du plaisir quand même, c'est quand même... pas de la performance autant que la porn, mais quand même, à un certain point, genre, je suis là pour le gars, tu sais, je suis là pour son plaisir. Okay. Fait que là, quand je me retrouve dans ma vie personnelle, maintenant que je vis ça tout le temps, je suis genre, fuck off, là, tu sais, à un moment donné. Genre, j'ai l'approbation que j'ai besoin dans mon travail, fait que comme quand, dans ma vie personnelle, toutes les dates que j'ai eues, j'ai aucune patience, genre, pour les gars qui vont comme... J'ai zéro patience, genre, je pense que un des derniers gars que j'ai daté, genre, je l'ai insulté à la fin en étant comme genre, dude, faut que t'apprennes à être meilleur au lit, genre. Oh, oh shit! Parce que c'est oh! comme. Oh! Ça fait mal! Ah oh, ouais! J'ai pas dit ça cru comme ça. J'ai pris un peu plus des gants blancs pour lui dire, là. J'étais comme. Je me rappelle plus les mots que j'ai utilisés, mais c'était comme, tu manques d'écoute, genre. Fait que j'ai plus de patience pour le manque d'écoute dans mes relations, genre, intimes. Puis je me rends compte, c'est quand même. De quoi que j'ai vécu beaucoup dans ma vie personnelle avant. Puis aussi, je suis bi. Puis j'ai comme plus envie de dater des filles parce que je vois juste des gars tout le temps. Fait que en ce moment, dans ma vie intime, je date une fille. Puis c'est genre vraiment le début. Fait que rien à... Elle est d'accord avec tout ce que tu fais. Oui, mais c'est ça aussi. J'ai l'impression que les gars aussi sont super intimidés. Fait que veux pas aussi, ça m'enlève beaucoup de choix. Avant, genre, je pognais plus. Puis maintenant... Je pogne moins parce que les gars sont comme « Ah, t'es fine, t'es cool, puis tout. » Puis là, ils font comme « Ah, OK, t'es... » Tu sais, genre, le mot que je t'avais dit que je voulais pas qu'on dise, là, ils disent pas ça, t'es une pute, mais genre, tu sais, ils sont comme « Ouais. » Ouais, Charlotte a dit « Yo, si quelqu'un la traite de pute, elle casse sa gueule. » Ah ouais, faites attention. Mais en même temps, je peux comprendre parce que moi, on va dire, comme un gars comme moi, là, monsieur, madame, tout le monde, ouais. là, tu comprends? Puis je te rends compte, puis next thing you know, tu me dis, t'es une actrice porno, puis OK, là, je me dis, OK, you know what, j'aime bien ton vibe, OK, on habite ensemble, on est veut. Puis à un moment donné, tu rentres à la maison, tu dis, oh shit, baby, j'ai eu une belle journée, je vais faire comme shit! Il y a full de TikTok sur ça, j'en ai vu plein, genre, vrai de ce scénario-là, genre. Ah, j'ai pas TikTok, ça, j'aime pas ça. Toi, tu sais, ou bien tu me dis, oh, j'ai eu une dure journée, je suis comme shit! Ouais, non, tu comprends? Ça, tu sais, c'est comme, à la base, tu penses pas que peut-être, être en relation avec un gars qui est dans l'industrie aurait été aussi quelque chose de plus facile pour toi? Ça aurait pu, mais il n'y en a pas aucun qui m'intéresse. Ah, c'est okay. pas mon, mes genres de gars sont super beaux, super fins. J'ai rien contre eux, mais c'est pas mon genre. Ou une femme dans l'industrie. Ben, j'en ai pas. Après, il n'y en a pas tant que ça non plus, puis j'ai pas tant rencontré que ça, tu sais. Mais oui, ça aurait pu être cool. Ou quelqu'un qui a un OnlyFans, genre, puis tout. Il y a plein d'options, tu sais. Okay. Mais. Je sais pas, tu sais, comme... après, c'est ça, ça m'a... Est-ce que tu trouves que tu dois... Admettons, si tu veux une relation avec quelqu'un, il faut vraiment que tu sois capable de séparer les deux? Comme... Non, pas moi, parler de qu'est-ce que tu fais? Non, moi, je peux pas, là. Je suis quelqu'un qui a une crise de grand gueule, qui a besoin d'extérioriser, puis qui a besoin, genre, de communication dans mes couples. Je pourrais jamais sortir avec quelqu'un, puis qui veut rien savoir de ma job, mais qu'il accepte. Ça serait comme, mettons, être en couple ouvert avec quelqu'un qui veut pas que tu y parles, que tu couches avec d'autres mondes, jamais, genre, qui veut juste rien savoir. Ouais, mais moi, j'ai pas envie que tu rentres à la maison, tu me parles de l'étalon que t'as eu aujourd'hui. Non, mais tu sais, genre, tu peux parler, genre, de, tu sais, ah, ça s'est pas bien passé ou whatever, avoir des limites, genre, comme, il faut que ça soit fait dans le respect. Genre, mettons que j'ai un chum ou une blonde, puis qui me dit, hey, je veux, aujourd'hui, je peux pas, tu sais, genre, je peux pas, tu sais,
que tu, je peux pas entendre parler de ça, je suis full insécure. Je suis capable de pas en parler, je vais respecter ça. Mais si c'est comme, si je dis, ah, tu sais, tel client est super fin, ou comme, ah, j'aime full cet acteur-là, il est, parce que je vois ça aussi comme un travail, tu sais. Mm-hmm. Je mets une barrière, veux pas, en quelque part. Tu sais, j'ai eu des clients qui m'ont demandé de dater, ou j'ai même déjà essayé dater, genre un peu dans le domaine. Puis j'ai fait, non, c'est, ça marche pas, tu sais. Fait que dans un sens, peut-être je pourrais tomber sur plus du monde polyamoureux, genre. Okay. Fait que, tu sais, si t'es okay. poli, amoureux, whatever, normalement, que j'ai été fourré pour le travail ou pas, moi, je suis correcte avec que mes partenaires y revoient ailleurs tant qu'ils me mentent pas. Ah, oh, ouais! Ouais, okay. Ben, tu sais, ça dépend. Après, c'est toujours de la discuter, puis comment tu filmes. Mais attends, genre... j'ai bien que tu parles avec mon staff. Ouais! Moi, j'ai une petite question, OK? J'ai été regarder le truc de Saint-Valentin. Oh non. Assez intéressant, c'est bien. Moi, ma question, c'est dans l'univers du porn, je sais que, bon, tu l'as mentionné, que tu aimes beaucoup comme l'aspect acting et tout. Mis à part, ben, mais moi, je, ça me fait rire. Drôle, ça fait rire. Ouais. Mais mis à part ça, c'est quoi tu dirais que ton plus gros talent à toi dans l'aspect sexuel, genre? Mon plus gros talent? Ouais. Ben, quand même, là, le truc d'être capable de prendre deux pénis dans mon vagin, je suis quand même fière. J'ai travaillé. OK, shit! J'ai travaillé fort pour ça. Là, comme t'as travaillé pis. Fort? Mais travaillé? C'est de la pratique. C'est genre, ça fait mal au début. Attends, attends, de la pratique, c'est comment tu pratiques? Mais je comprends. J'ai parce que je fais de la cam aussi. Fait que là, tu sais, j'ai beaucoup d'occasions pour pratiquer. Genre. OK. Puis aussi, ma vie personnelle. Mais tu sais, quand je me masturbe, je me rends pas deux dildos. Tu sais, c'est pas pour mon plaisir. C'est pour le spectacle. Mais j'ai aussi pour l'opportunité, genre, de pouvoir faire du dépit si jamais ça arrive, genre, puis tout ça. Mais ça, c'est un talent. Mais je sais pas, je pense les blowjobs. Ah ouais? Parce que j'ai vu que t'as l'air d'aimer... J'aime ça. Les cum shots, ouais, comme ça. J'aime les blowjobs. Je pense que c'est mon meilleur talent parce que j'aime c'est ça. C'est shot, là? Ben oui. D-N-A! En plus, si vous voulez un... comment qu'on appelle ça? Un spoiler... Pas un spoiler, mais genre un secret, genre d'un vidéo. Celui des collières, est-ce que vous l'avez vu? De qui? Les collières. Oui, oui, j'ai vu. Mais genre, à la fin, genre, pour X raison, genre, le sperme, il était comme transparent. Fait que j'ai, genre, à la fin, là, quand je suis genre en train de manger, genre, plein de sperme de même avec genre, c'est bon, mais bon, c'est du fucking shampoing, man. Ça, c'est du talent, je pense. Parce qu'on dirait pas que c'est du shampoing, là. Mais c'est parce que ça arrive, là, c'est genre, il était même pas si transparent que ça, c'est juste avec la caméra, veux pas, c'est un one shot, là, comme shot, tu sais. Ouais. Puis là, il avait comme été un peu, genre, la scène était pas parfaite, fait que là, genre, le réalisateur était comme, ah, fait que là, moi, je suis comme, ah, mais j'ai une recette de faux sperme. Toi, qui a la recette? Ouais, j'ai une recette, mais genre, c'est pas une recette. Mais là, c'est compliqué, puis il y avait pas, genre, de qu'est-ce que je voulais, fait que là, j'ai fini par manger du shampoing. Ah, OK. Je pense qu'il y a même plein d'actrices qui n'aiment pas le sperme puis qui bouffent genre n'importe quoi à la place. Ah, ouais. Wow. OK, quand tu vois toutes les cum shots là, puis il y a plein dans leur face, c'est pas... souvent, c'est pas... Pas tout le temps. Moi, je connais une actrice qui n'aime vraiment pas le sperme, mais je ne vais pas dire c'est qui, vu que je ne sais pas non, si... Non, c'est correct. On n'a pas besoin de savoir. Elle le dira si elle veut. Mais elle bouffe, genre, c'est comme des tubes de je ne sais pas quoi, la menthe ou whatever, ah, genre. Ouais. Mais c'est pas du sperme. Elle a eu le sperme, genre, mais vraiment, ça la dégoûte. Mais tu sais, elle est actrice porno. Yo, je suis fier, hein? Yo, est-ce que tu vois la quantité puis l'épaisseur? Moi, je m'étais déjà dit, c'est sûr, c'est fake. Mais okay. Un bout caqué, là, genre, pour vrai, là. Moi, ça fait partie des trucs que j'aurais voulu essayer, que j'ai donné comme dans la liste des choses à faire, genre. Comme, pas des choses à faire, mais des choses que je suis à l'aise à faire dans porn. Mais j'ai dit au réalisateur, j'ai dit, tu sais, autant que je peux dire que j'aime le sperme, là, j'ai un tatou, genre, qui veut dire sperme dans un cœur sur moi, là. Ouais. Genre, c'est pas que c'est ça, c'est quoi qui m'excite, on va dire plus. Mais un boucaqué, le dude, ça doit être dégueulasse. Un boucaqué. C'est quoi ça? Vous savez, un boucaqué, genre, plein de sperme, là, genre, il y a genre 6 gars qui viennent dans un bucket cake. Oh! Damn! T'appelles pas ça un boucaqué? Yo, après, tu vas dire, c'est moi qui ai besoin de tout faire pour 6011? Elle vient de te join! T'as trouvé ton acolyte! T'as trouvé ton acolyte dans le refill! Eh non! Yo, je suis fini! Attends, comment? Moi, j'ai toujours appelé ça comme ça, là. Un bucket. Bucket head? Oh mon dieu, bucket non! Cake. On coupe bucket cake. Bucket cake? Ouais.
My God, ben, je vous l'ai dit, hein, moi, je suis pas très bonne. Boukake. Un boukake? Mais ouais, hey, boukake. Attends, là, je veux qu'on... Je suis sûre que ça se dit. Non, ça se dit pas. Genre, il faudrait qu'on aille, appelle un fan à la maison, genre, qu'est-ce... J'ai toujours... Non. Si j'appelle un de mes amis live, je dis, yo... Pas game. Il va me dire, yo, bro, qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Bon, j'ai une question pour toi. Oui. Moi, ce que j'ai remarqué avec Pegasus puis AD4X, je pense que c'est quoi les deux top productions au Québec? C'est les seules que je connais, moi. OK. Dans toutes mes recherches, c'est les deux que j'ai trouvées aussi. Ouais. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas d'hommes noirs? Comme tu peux voir nos chandails? Black Penis Matter, oui, puis je me fais souvent demander, mais oui, ah, c'est un beau chant, ah, il est donc bien cool, je n'avais pas vu au Québec, ouais, j'adore. Ben moi, il n'y a pas au Québec, ouais, ben, au Québec. Ouais. Mais pour vrai, on a... je trouve qu'il manque de culte, de... ah, pour vrai, il m'en faut un, je trouve qu'il manque... Voilà. Et non! Voilà! Ah, oh my God! Est-ce que c'est vous qui les avez faits? Hell yeah! Yes. Moi, je suis pour le Black Penis Matters au Québec parce que je trouve que c'est impossible qu'il n'y ait pas de noir. Il voulait être acteur. Moi, je peux donner ton nom. Regarde, je vais dire ma théorie parce que j'ai envoyé des messages à la production de Pegasus et à 4D4X. T'as envoyé? Ouais, à AD4X. Ouais. Personne ne me répond. Mais je continue à les emmerder parce que je suis un emmerdeur. Il t'ignore. Ah, il m'ignore. Ou il ne voit pas. Est-ce qu'il voit et il ignore? Ils voient pas, mais j'en envoie plein. Okay. Puis le problème est que je me dis, c'est impossible que il y a pas comme dans le casting, dans les auditions, il y a pas d'hommes noirs qui viennent parce que je pense que t'en as déjà vu toi? Je pense que j'ai vu une fois un film genre québécois, une annonce, peut-être. Je pense, puis je suis même pas sûre si c'était ça. Mais non, ben comme j'ai dit aussi, je regarde pas beaucoup de porn dans la vie, je regarde... So moi, je veux savoir, est-ce que tu vas ride avec nous dans notre mouvement pour les pénis 100%. Noirs au Québec dans mais la pornographie noirs, québécoise? Mais les pénis noirs, les vagins noirs, moi je trouve que au Canada, en général, il manque beaucoup de culture, comme de diversité, c'est ça le mot que je cherche. Exactement. Puis dès qu'il y en a, genre, les seuls comme filles noires que j'ai vues, genre, ça a été comme genre, super fétichisé, c'est genre... Ça aussi, je trouve, mais après, dans la porn, c'est tout le temps, on dirait, genre, mais... Ben moi, je trouve qu'il y a assez d'hommes noirs au Québec, puis je suis sûr qu'il doit y avoir des hommes c'est qui veulent en faire. C'est sûr, parce que moi, je me suis fait demander, genre, à plusieurs reprises, mais après, est-ce que c'est des gars sérieux? Je ne sais pas, parce que dans mes DM, là, genre... Pas moi! BBC, pas moi! BBC. J'étais professionnel! Genre, comme, genre la proposition de BBC, genre, ça vient souvent, genre. C'est correct, le mot que je dis? Oui, BBC. Big black cock. Tu peux le dire. Mais est-ce que tu as déjà eu le big black cock? Ouais, c'est ça que j'allais demander. Est-ce que tu en as déjà eu? Dans ma vie personnelle seulement. OK. T'as déjà eu des relations sexuelles avec un noir? Oui, c'est... Fallait que je le dise. Genre, est-ce qu'il fallait que je le dise quand l'émission commençait? En passant, j'ai déjà couché avec un noir, merci. Oui. Elle a pété. Elle a dead. 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 Mais ça se voyait pas dans ma face. J'essayais de le cacher. J'ai essayé vraiment que vous vous en rendiez pas compte, j'avoue. Ok, là maintenant, elle se fout de notre gueule, c'est bon là. Est-ce que tu es une fille de Montréal? Tu viens d'où? Je viens de région, oui. C'est ça que je veux dire. Je viens proche de Saint-Jérôme puis toute. Prévost? C'est pas dans ce coin. Non, c'est vrai, je viens de région, mais je en fait, ouais, je viens des Laurentides. Je sais pas si. T'allais-tu au Rex? Non. Ah, ok. Je sais pas c'est quoi. Ah ben c'est un club qui était à Saint-Jérôme. Ouais. Non, je suis partie chez mes parents, j'avais 17 ans. Wow, okay. Parce que justement, je trouvais qu'en région, ça manquait vraiment d'action. J'avais mon septum déjà, puis tout le monde à mon école me traitait de punk. Puis j'étais comme, oh my God, revenez-en, là. Puis là, j'avais besoin de diversité. Pourquoi t'as un méga problème avec le mot pute? J'ai pas un méga problème avec le mot pute. En fait, c'est juste parce que je vous connaissais pas, puis c'était plus un exemple quand je t'ai dit ça, genre de de pas me traiter de pute, c'est juste je vous connaissais pas, j'avais des bons commentaires de vous, fait que je savais que ça allait être chill, mais c'était plus comme tu me posais la question comme est-ce qu'il y a des affaires que tu veux pas qu'on dise, puis j'étais comme bah je sais pas, tu sais mettons que j'aurais pas été à l'aise là, que vous fassiez, puis ça fait combien de temps que t'es une pute Charlotte, tu sais, mais je pense pas que vous alliez le faire, tu sais. Non. C'était comme juste, je sais pas, Moi, mon mot, de toute façon, mon mot que tout le monde sait, que c'est moi,
On appelle ça une taux cuite. Une taux cuite? Taux cuite. Ça, c'est-tu un nom pour une pute? Pas nécessairement, mais c'est un mot. Nous, la taux cuite, c'est pas. On ne traite pas personne de pute. D'ailleurs, moi, je ne pense pas que ça existe. Ben, genre, pour moi, pour nous, ça n'existe pas vraiment. Lequel, le taux cuite ou... Non, plus, okay. Mais c'est juste un mot péjoratif pour parler de la prostitution puis tout ça. Fait qu'après, c'est pour ça que moi, mettons, moi, je me permets de dire ce mot-là. Puis même, j'ai déjà, tu vois, blessé des coworkers, genre, parce que j'ai dit ce mot-là, puis elle était comme, « What the fuck, c'est pas comme ça qu'on s'appelle? » Puis tu sais, j'étais comme... Je me suis sentie mal, mais après, je me suis dit, « Hey, moi, c'est mon travail, genre, je suis travailleuse du sexe, j'utilise le mot... » un peu, je sais pas comment dire, c'est comme le mot queer, c'est comme je pourrais pas comparer ça au N-word parce que ça a pas les mêmes genre passés, puis moi c'est un choix personnel, genre mon travail, mais genre c'est comme queer, genre encore là, c'est pas un choix non plus d'être gay ou pas, mais tu sais, queer c'était péjoratif, puis maintenant tu peux dire genre comment je suis queer, puis c'est l'est pas, tu sais, c'est plus une insulte. Okay. Je veux pas que ça devienne un mot qui se dit non plus comme ça, mais à partir d'aujourd'hui, appelle-les des taux cuites. Des taux cuites. Taux cuites. Taux cuites. Ça passe bien. C'est comme un biscuit qui vient de sortir du une four. Bonne... Ouais. Une mais c'est un bon... Genre, dis-moi tant que c'est positif, genre, parce qu'il y a rien de négatif. C'est comme un Michelinas. Tu le fous moi dans le micro-ondes, 2 minutes, ouais, c'est prêt. Uncle Ben, 5 minutes, taux cuit. Ben, taux cuite. Moi, c'est ça. Après, quand je le dis, je trouve pas que c'est négatif comme mot d'être une pute. Mais si tu le dis comme une insulte, là, je trouve que ça en est un. C'est comme moi, je dis souvent que je suis une slut. Tu sais, j'ai un tatou de... écrit slot, je m'auto-identifie en tant que slot parce qu'une slot, c'est juste une personne qui couche avec beaucoup de personnes. Oh. Mais quand on parle d'une fille, parce que ça devient péjoratif, genre parce qu'une fille qui couche avec beaucoup de monde, c'est une slot, c'est dégueulasse. Alors que toi, tu couches avec 10 filles, ben là, lui, il va être genre, yo, c'est trop bien cool, t'as couché avec 10 filles. Ouais, mais tu vois, ma mentalité a beaucoup changé sur ça, justement. Moi aussi. Comme moi, c'est pour ça que je dis que pour moi, est-ce que je pense pas que les comme ça existe des comme tu dis des putes. T'aimes le sexe, t'as le droit, man. Comme la manière que si je couche avec 10 femmes, whatever. Si je couche avec 10 femmes, ben je suis une toquette aussi. Moi aussi, c'est ça. Moi aussi, c'est bon. La même chose. Parfait. Ouais, ça, c'est. Cache, moi, c'est ça que je suis même. Ouais, c'est. Oublie pas, hein, mets le mot out there. Toquette, c'est mon nouveau mot. Je vais répondre ça maintenant, genre. Puis le monde va être genre. Regarde, il y a deux choses que tu dois faire. Tu dois dire que yo, tu sais quoi, arrête de dire pute, tu dis. Tout cuit. Ouais. Cuit. Et que yo, tu représentes le BPM. BPM. Attends, c'est quoi? Black Penis Matters. Black Penis Matters. Yeah. Au Québec. Puis, j'adore ça. Mais tu peux rajouter tabarnak à la fin. Ouais. Black Penis Matters au Québec, tabarnak. Ouais! Ah ouais! Let's go! Let's go! C'est bon ça. Yo, tu sais qu'on va faire un TikTok avec ça. Mais yo, ouais. Black Penis Matters au Québec, j'veux... tabarnak. je suis down aussi de vous encourager là, je vais écrire à aux deux, je vais écrire à Pégase, ouais. Puis je vais écrire à Décatex, puis je vais dire va répondre à lui dis-leur pourquoi, en même temps dis-leur pourquoi il y a pas de pénis noir dans la pornographie québécoise. Non, on va les inviter, ils vont venir l'expliquer. Non, ils n'ont jamais leur face là, derrière les caméras. Ah ouais? Vrai, ils n'ont pas leur face. Hein. On peut leur dire, on va mettre une cagoule sur eux. Comme Kodak Black. Comme Kodak. Il a déjà fait des interviews comme ça. Cool, ça. Même Kanye West fait des interviews, on ne le voit pas. Une juste audio. Est-ce que vous allez pouvoir en mettre une genre sur ma face au montage, s'il vous plaît? Non. Malheureusement. Non. Malheureusement, on veut voir Charlotte. Merde. Non, mais avec toi, Charlotte, on a un Patreon, c'est différent. Là. Dans le Patreon, on met rien, on enlève. C'est vrai, vous allez me laisser. Oh, shit. Vous allez faire des montages, vous allez comme télécharger les images de Pégase, prendre mon corps tout nu, ici, en tout cas. Yo, t'as de l'imagination, ouais, toi, ouais. Photoshop. Yo, t'as de l'imagination, là, toi. Oh, ouais. Non, mais si t'as des options plus simples, on va les prendre. Justement, comme je t'ai dit, j'ai fait mes devoirs. Moi, je suis un follow podcasteur, donc je dois faire mes devoirs. So, j'ai été voir. En voyant, j'ai vu que, bon, t'es quelqu'un qui a beaucoup de tatous, puis quand même pas énormément de piercing, mais à certains endroits stratégiques. Les tétés. Est-ce que tu peux dire que ce sont des choses qui t'ont aidé aussi à rentrer dans le milieu? Les tétés, les seins percés? Les seins percés, puis même le tatou, étant donné que comme c'est pas tout le monde qui a des tatous, je sais autant, pas. Le même style. Mais les Québécoises?
Les Québécoises, on dirait que des actrices, il y en a vraiment beaucoup au Québec là, qui ont des tatous. Des filles tatouées. Mais semble, c'est soit que tu n'en as pas du tout ou que tu en as plein. Moi, au contraire, un de mes regrets, c'est d'avoir autant de tatous. Parce que là, je regrette plus autant parce que j'ai moins de... J'ai pas envie tant que ça de percer dans la pointe québécoise. Ah, ok. Tant... Non, perso, c'est pas... Je m'identifie moins à ce qu'ils font, tu sais, comme je les... J'ai rien contre ça, là, mais tu sais... Voudrais-tu aller aux States? Ou en France? Je sais pas, ça me fait... En France, peut-être, j'ai des contacts là-bas, ça aurait été cool. J'aime les petites compagnies underground, puis les... aussi les trucs féministes m'intéresseraient plus. Tu vois, j'ai entendu parler d'une compagnie australienne, j'ai pas le nom, mais au pire, je vous la laisserai. C'est des... c'est genre juste des filles, puis c'est full, comme... beaucoup de discussions, tout le monde est beaucoup plus respecté, genre whatever. Même si je me suis pas nécessairement sentie pas respectée, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est plus comme du sexe pour genre plaire autant aux filles qu'aux gars ou genre personnes non binaires, whatever. C'est un peu plus ma vibe que ah non, je suis belle, fait que je vais te sucer la queue. Genre c'est plus mon. C'est okay, okay, okay. Tu sais, dans tes roleplays, je trouve que. On va finir bientôt là, mais. Dans tes roleplays, je trouve que t'as beaucoup de choses que. Genre, t'agis comme une chatte. C'est-tu parce que... Chatte? Ouais, comment... Genre, un vrai chat, là? Ouais, un vrai chat, là. Miaou? Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de cartes de dessin. Tu veux dire mes roleplays ou mes cosplays? Ben, je sais pas, t'as une photo où ce que, genre, t'es à quatre pattes, mais t'es en train de boire dans un bol de chat. Oh my God, ouais, puis j'ai une vidéo sur mon OnlyFans où est-ce que je bois du lait, genre... OK, c'est ça, OK. Mais j'aime les femmes chats, genre, je trouve ça sexy. Catwoman! Ouais, je trouve ça beau, full beau, genre, j'aime les déguisements. Puis quand j'ai commencé avec mon OnlyFans, j'avais beaucoup plus d'imagination. Là, je suis un peu rendue lazy ces temps-ci. T'as besoin de moi. Mais... J'ai beaucoup d'idées. Je t'écrirai ça, quand ça je... va être un de tes éléments les meilleurs. Le sofa! Oh ouais! C'est bon. Sauf! Sur le sauf! Hey, moi, j'ai des idées fous, là, mais eux, ils sont pas d'accord avec mes idées. Qu'est-ce qu'il y a? Commence par rentrer pas là-dedans. Ils sont pas d'accord avec mes idées. Je vois le niaque commencer à te frapper, là. Non, pas du tout, je suis encore très lucide. Ah, lui! Obligé de rire. Non, c'est vrai? Oui. Non. Oui, Hollywood, t'avais une question? Mais... Je peux aller faire pipi? Oh, ben oui, vas-y. Là, je peux plus, puis là, j'étais comme, yo, il va couper, là, je peux pas. Non. Oui, tu peux y aller. Yes. Nous sommes back! On devait aller frapper un peu de Rosemont. Yo, le rhum blanc, guys. Ooh. Rosemont, this is the shit. We need more. Yo, Rosemont, comme votre... Là, vous êtes en train de me blow mind, là. Vous allez me faire arrêter de boire du gnac. Yo, le Rosemont, ouais, je vous le dis. Les mix de compétences. Les gens qui boivent du rhum, this is the shit. Ouais. C'est bon. On est back avec Charlotte Sen. Bon, Charlotte. Qu'est-ce qu'on va avoir de toi? C'est quoi tes plans, futurs? Est-ce que tu retournes dans la pornographie? Est-ce que tu vas rester OnlyFans? Est-ce que tu vas être sur Léolist? Whatever. Léolist? Ah oh, ouais, les ouais. Ben, ouais. Léolist, ils peuvent être moins compliqués. Ils sont compliqués. Ils ont changé toute leur plateforme, je les aime pas. Mais OnlyFans, j'ai vraiment délaissé ça quand j'ai commencé à travailler comme en tant que masseuse, whatever. OK. Parce que là, je veux pas, là, j'ai de l'énergie, mais pas 24 sur 24. Là, j'ai besoin de prendre des congés des fois. Okay. Puis ça m'a fait comme, vraiment faire une grosse drop de comme, à quel point je m'investissais en mon OnlyFans. Mais là, j'ai vraiment envie de mettre plus d'efforts. Comme, tu sais, au début, justement, là, tu parlais, genre, les petits déguisements femme-chat, whatever. Ouais, ouais. J'avais full plein de projets, puis je prenais vraiment le temps de prendre des photos comme un travail, genre. Puis, veux pas, je pourrais jamais autant m'investir que quand je faisais juste ça. Mais j'aimerais ça vraiment, là, comme monter un peu la barre, commencer à faire des petits scénarios nice. Puis même si c'est différent, puis que c'est un autre vibe, parce qu'avant, c'est un petit peu plus, là... dans une vibe genre de me déguiser, de boire du lait, de whatever, trouver des... mettre des costumes, mettre des outfits qui fit. Autant que ça se peut, j'ai changé, j'ai plus les cheveux bleus, j'ai pris 15 livres, je suis plus pareille, genre, on change, mais je vais quand même essayer sûrement de comme recommencer à mettre plus de tout ça peut se faire dans mon OnlyFans. Tout ça peut se faire au Parler Studio, we got you.
Mais j'y ai pensé. Right en plus, hein, quand je suis arrivé, j'ai fait yo, c'est une belle place. Tout ça oh, peut oui, se faire au Parley Studio. Parley Studio, man. Yo. Clé en main. Clé en main. Clé en main. Clé en main, on t'a dit. Bon. Donc, est-ce que tu veux donner ta page IG, ton OnlyFans? Ouais, c'est sûr. Mais Charlotte barre en bas, San. Genre, dans le fond, ça, sur IG. Mais sinon, www... Hey, attends, on recommence tout ça. TikTok. Excusez, je suis vraiment pas bonne pour me promouvoir. CharlotteSan.com, c'est aussi simple que ça. CharlotteSan.com, Charlotte. Charlotte San, SAN.com. Okay. Là, là-dessus, t'as mon IG, t'as mon OnlyFans, t'as ma vie. Ok, t'as tous tes liens, là. Ouais. Okay. Parfait, good, parfait. Good, donc, encore good. Une fois, Charlotte, merci d'être venue. Okay. Attends, moi j'ai une question pour Charlotte. Vas-y. Oh. Charlotte. Yo, d'habitude, quand je fais ça, il déraille, hein. Il déraille quand je fais ça. Mais quand je fais ça, il déraille. C'est ça le luxe du producteur. Bon. Aller voir le bail de la forme. Non, mais rapide, Charlotte, rapide. Marque de condom préférée? Ah, oh, mon Dieu. Skin. Marque de lube préférée? Fuck, j'ai oublié. La petite bouteille est noire. La petite bouteille est noire? Mais c'est une bouteille, c'est un genre de huile slash... voyons, c'est du lube, mais ça a la même texture que l'huile. Puis moi, j'aime bien faire des massages. Ah. Mais après ça, des fois, il y a... Baby oil? Genre des gros massages comme... En plus, hier, j'ai pris un cours de massage thaïlandais. J'ai vraiment investi, là, genre, dans le... OK. Mais nice. Ouais. Compagnie de sextoy préférée? Oh, mon Dieu. Ça, c'est Bad Dragon, même si j'en ai aucun. Mais j'y veux toutes. C'est juste qu'ils sont trop chers. Achetez-les-moi, s'il vous plaît, sur mes fans. Les fans, allez acheter. Bonne c'est des œuvres d'art. Genre, toutes les sextoys qui ont une forme de truc, genre un monstre là, de l'océan, là. Je décore ma chambre avec ça, moi. Nice. Wow. Et c'était bibelot. Dernière question, sex shop préféré? Ah, séduction. Boutique séduction, ben oui, parce qu'ils donnent 15% de rabais aux sex workers, que ce soit OnlyFans, porn. Mais comment ils font savoir que t'es un sex worker? C'est comme moi, je pourrais aller et dire que j'ai un OnlyFans? Tu pourrais. Ah, OK, ils vont pas checker. Non. Moi, je vais acheter des bons nylons là-bas. J'allais là-bas, elle m'a dit, est-ce que c'est pour le travail? Puis là, j'ai fait comme... Oui. Puis elle a dit, ah, ben t'as 15%, puis elle m'a créé un compte. Je vais aller là-bas, ils vont me dire, est-ce que tu travailles? Je vais juste sortir mon clip. Ruinez pas ça. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Ruinez pas ça pour nous, là. Ils vont arrêter, genre, les spéciaux aussi. Bon, Hollywood, tout est à toi. C'est déjà. Donc, Charlotte. Ce fut un plaisir. Mais pour moi aussi, c'était vraiment cool. Vraiment un plaisir. Puis une dernière fois, je t'entends le dire. Black penis matter. Attends, what the fuck? Ah, ouais, Charlotte! Hey, le gin sans alcool, il fesse, là. Merde! Black penis matter, tabarnak. Non, au Québec, tabarnak. On recommence. Black penis matter. Wow. Charlotte San! La caméra est sur toi. Black penis matter au Québec, tabarnak. Let's yes. go! Je suis votre host, Hollywood The Million Dollar Voice. Mon co-host, Gardilac, Mr. Talk The Talk, Walk The Walk. Et la belle Charlotte San. And we out. Let's go! La chronique des alcooliques, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas. La chronique des alcooliques, ça n'a pas.